C'est le chant d'une baleine bleue pygmée enregistrée en 2013. Les photos sont celles du spécimen observé hier à 7 km au large du Cap Laoussé. Décimée par la pêche au XXe siècle, cette espèce est devenue rare. On n'en avait jamais vu à La Réunion avant ça. Moi, j'étais en train justement d'analyser des données acoustiques qui ont été enregistrées en 2013 autour de La Réunion pour justement voir si on a des baleines bleues dans la zone. Et pour étudier la saisonnalité. Donc on savait par acoustique qu'il y avait des baleines bleues autour de La Réunion, mais on n'en avait jamais observé visuellement, donc on attendait ça. Et bien là, c'était la sacrée surprise hier. La baleine bleue pygmée, solitaire, n'a pas du tout le même comportement que les baleines à bosse qui nous rendent visite pendant l'hiver austral. La baleine bleue pygmée, elle ne va pas effectuer des migrations nord-sud comme la baleine bleue antarctique, en fait, ni comme la baleine à bosse. Elle ne s'alimente pas en Antarctique. Donc elle reste dans les zones, dans les eaux subantarctiques, subtropicales et tropicales. Et on ne connaît pas exactement ses mouvements, mais ce n'est pas trop surprenant qu'elle soit dans la zone à cette période-là, en fait. Si on le sait, c'est parce qu'en 2013, des capteurs acoustiques dispersés entre Madagascar et Rodrigue ont enregistré leur chant. Emmanuel Leroy, docteur en bioacoustique à Globis, les étudie. Le meilleur moyen pour nous, pour les étudier, en fait, c'est de passer par l'acoustique, puisqu'elles sont très actives acoustiquement. Les mâles chantent et vont chanter sur donc des échantillons très, très graves et qui vont s'entendre de loin. Donc nous, ça nous permet, en écoutant l'environnement sonore sous-marin, en fait, de pouvoir repérer la présence de leurs chants dans les enregistrements et d'avoir une idée de où ils sont et quand est-ce qu'ils sont là, quoi, et s'ils sont dans la zone d'écoute. Impossible de déterminer le nombre d'individus dans notre zone. Furtives, ces baleines sont très difficiles à photographier. L'enregistrement des chants permet de différencier les espèces, mais pas les individus. Tous les mâles baleines bleues chantent le même refrain.